الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Donc toutes et tous, nous sommes amenés à passer des situations plus ou moins difficiles dans notre vie, ce qui provoque quelquefois des soucis, quelquefois des angoisses, quelquefois des tristesses. Ainsi va la vie quelque part. Donc maintenant, il est important de se demander comment puis-je me débarrasser de ces soucis, de ces angoisses, de ces tristesses. Alors il y a plusieurs moyens qui nous permettent de nous débarrasser de ces soucis, de ces angoisses, etc. Pour tout être humain. Maintenant, nous, il faut savoir qu'en tant que croyant, on a un moyen très efficace, mais qui est un moyen spirituel. Et ce moyen spirituel est mentionné dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Tirmidhi bi sanadin hasan selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu arda, qui lui-même a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam avec les propos suivants. Il dit: ô messager d'Allah, je prie beaucoup sur toi. Donc quand on parle de prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de dire alayhi salatu wassalam ou bien sallallahu alayhi wassalam, donc que les prières et le salut soient sur le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui veut dire de façon résumée d'après certains savants comme Abu Aliya, Ibn al-Qayyim et d'autres, c'est la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam signifie le fait de demander à Dieu de faire les éloges du prophète alayhi salatu wassalam dans les cieux. Et le fait de dire alayhi salatu wassalam, assalam, on implore Dieu de préserver le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses enseignements, sa sunna. Donc il est demandé de répéter beaucoup alayhi salatu wassalam. Ubay ibn Ka'b a dit à Rasulallah, je prie beaucoup sur toi. Quelle part de mes prières dois-je te consacrer? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit comme tu veux. Et là Ubay dit le quart. Il dit comme tu veux, mais si tu augmentes, cela sera mieux pour toi. Il dit la moitié. Il dit comme tu veux, mais si tu augmentes, cela sera mieux et meilleur pour toi. Il dit les deux tiers. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit comme tu veux, mais si tu augmentes, cela sera meilleur pour toi. Et là Ubay ibn Ka'b dit ya Rasulallah, je consacrerai toutes mes prières, c'est-à-dire toutes mes invocations pour toi. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a dit ainsi Allah fera dissiper ou disparaître tes soucis et tes péchés. Et cela nous rappelle que le fait d'invoquer de façon générale, c'est très important pour soi, pour autrui. Mais si tu veux connaître un des moyens, si ce n'est le meilleur moyen, afin qu'Allah Jalla wa'ala dissipe tes soucis, c'est d'augmenter au maximum de jour comme de nuit la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc de dire beaucoup, et particulièrement le jour du vendredi, alayhi salatu wassalam, ou bien sallallahu alayhi wassalam. Qu'Allah Jalla wa'ala dissipe vos soucis et vos tristesses, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de tout mal. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.